Bueno, la técnica manda, estamos en esa situación, pero ya está, parece, todo resuelto y Ana de César, completamente preparada para comenzar su intervención. Ana de César, bienvenue, c'est un grand plaisir de vous avoir ici avec nous. Es un gran placer tener aquí a Ana de César. Bueno, ella tiene una doble nacionalidad, francesa, canadiense, pero eso quizás explica lo bien que se expresa tanto en francés como en inglés. A mí me interesaba mucho una mirada fresca, actual, que pusiera de manifiesto puntos de contacto entre el periodo histórico del surrealismo y el arte de nuestro tiempo, sobre el cual pues, yo mismo trabajo con una cierta continuidad. Entonces, yo creo que fue en 2006 donde se celebró en Tenerife un congreso en torno a la figura de Óscar Domínguez, donde yo pude intervenir presentando una conferencia y en el que también intervenía Ana de César con una conferencia justamente en torno a la presencia del surrealismo en el arte posterior. Entonces, pensando en esta problemática, me pareció pues, muy oportuno invitarla para que pudiera tener a su cargo esta sección de cierre. Luego, efectivamente, posteriormente, pude tener noticia de la exposición que Ana realizó en colaboración con David Lomas y que se ha hablado de ella, Espacios subversivos, el surrealismo y el arte contemporáneo, en 2009 en Manchester. Bien, creo que estas son las claves. Hay que decir que en los últimos años Ana de César ha sido profesora de Historia del Arte en Marsella, en la Escuela Superior de Arte y Diseño, y actualmente, octubre 2012, mayo 2013, es encargada de cursos de Historia del Arte, ahora ya en la Escuela Normal Superior de Lyon, en Francia también. Hay dos, tiene toda una serie de publicaciones, otros trabajos, pero hay dos libros que están en estos momentos a punto de aparecer en prensa: Almost Nothing, Precariousness in Art since the 60s, algo así como casi nada, lo precario, la precariedad en el arte desde los años 60. Es un libro que aparecerá, supuestamente, claro, en inglés, en Manchester University Press y también en una editorial distinta, After All, de Londres, un libro, una publicación sobre Thomas Hirschhorn, el gran artista suizo, en torno al monumento a Deleuze de Thomas Hirschhorn, que bueno, es un artista al que conozco personalmente y con el que he tenido también muy buena relación y que creo que, por supuesto, será una publicación de gran interés. Querida Ana, bienvenida. Muchas gracias. Cuando quieras. ¿Vous m'entendez? Un grand merci pour cette introduction et surtout pour cette invitation. Je suis très heureuse d'être ici. I can speak in English, but I decided that for a paper on surrealism, it would be a shame to speak in English. So, je prends cette occasion pour remercier les interprètes qui ont fait un très bon travail ces derniers jours. Je vous présente un nouveau projet, donc je serai très curieuse d'avoir vos questions, vos remarques et vos observations. Pour apprécier le surréalisme, il faut aimer les histoires. Alors je me suis dit que vous étiez un bon public pour vous raconter des histoires. Les histoires que je vais vous raconter sont des récits de coïncidences. Ça ne marche pas ? C'est bon ? Des récits de coïncidences entre mes histoires, quelques histoires surréalistes
et les histoires de trois artistes contemporains, Patricia Esquivias, Lars Laumann et Camille Enro. Donc je vais vous montrer des histoires de ces artistes qui prennent la forme de films. Les trois films seront en anglais, il y en a un qui est sous-titré, les autres non, donc j'espère que vous arriverez à les suivre. Donc un mélange de langues aujourd'hui, et je m'en excuse. Tout a commencé la dernière fois que j'étais à Madrid, en juillet 2011. J'assistais à un colloque au Centro de Arte Dos de Mayo, pendant lequel j'ai eu le plaisir d'entendre une présentation de l'artiste Patricia Esquivias, qui est née au Venezuela, mais qui vit ici à présent. Donc je vais vous montrer quelques extraits de son film Folklore 2. Alors. So there have been two moments in Spanish history. Can you all hear properly? There have been two moments when Spain has reached international height, and that has been in the first case with Philip II during the 16th century, and he was the king of the Spanish Empire. And here you can see. It was the first global empire ever, and because Spain had land in all the continents, so all the way from America to Asia. And then the second time when Spain reached an international height was in the 20th century. And here you can see, I think it's more, but I know this for sure. This is the area of Julio Iglesias fans. So this is when Spain reached the second international height. And it's interesting because both of these have a lot in common, and some things are a bit not so interesting, like both of them had this like really big homes, and this is El Escorial, which is outside Madrid, and it's like really huge, very nice, very serious. And then this is in Indian Creek, and this is actually the most expensive home in the market ever, and it's in this like really exclusive island, but it's just a coincidence. And then another coincidence is that the Philippines, they were named after Philip, and it was much later then that Julio married this woman, and her name is Isabel Preisler, and she comes from the Philippines. So there's another. Okay, so I'm not showing you all the films. Je vous montre pas tout le film. Il y a d'autres coïncidences aussi. Donc je fais un petit fast forward bricolé. Voilà, donc elle explique que ces coïncidences qu'elle évoque sont pas très importantes. It is more interesting that they are joined by this thing which is the sun. That first part was from a talk, but I wanted to repeat the second part to make sure that it's clear enough. So, like I was saying, Spain has had these two moments of an international height. And these two moments have in common the relationship of Spain to the sun. But it's also the big difference
the relationship is so different in these two times. And here you can see, it was during Philip's time, it was the gold that put up the sun. You know, it was the gold that managed to keep this empire where the sun was always shining. And they used to say that it was the empire where the sun never set. But then in the 20th century, it was completely the opposite way around. It was the sun that managed to save the Spanish economy and bring gold again into the picture. And the thing is, here, the thing about Philip's time is that his main thing was to keep this empire and to spread Catholicism and maintain Catholicism. And these were his two main important things. And they meant that Spain was in a constant state of war, because they had to, you know, maintain all the new colonies, plus they had to fight all these wars in Europe to keep Catholicism. And all the money just went into the wars, and there wasn't enough gold to maintain the wars. And during Philip's rule, there were 4 bankruptcies. So really, after his rule, Spain went into total decline. And through the 4 centuries after his rule, Spain lost everything. And by the 20th century, during Franco's dictatorship, Spain was totally lost. You know, it was in complete isolation and completely poor, very, very, very. Maria also became well known in the world, and was said that it was a really international drink because everyone liked the flavor. And so this was in 1964, and in 1968 is when Julio's success began. And it began in a place called Benidorm, which then became the biggest touristic city. And here you can see, this is Benidorm now. Before, it used to be more like the traditional, you know, like this. But still lots of sangria and lots of sun and the beach. And here Julio won the 1968 Song Festival, and he became the perfect representative of Spain. He was always suntan, always coming out of the water, and a very, very friendly and warm person. Here you can see him with his family, and they are all really suntan and looks really nice. And he just embodied this idea. Here he is with Ronald Reagan, and here he is with the Queen of England. Donc là, elle parle des différentes publicités dans les années 50 et 60 pour le tourisme espagnol. And that affection is obvious on every trip. You know, it's kind of not so clear that this would be the best words to describe the history, but all these advertisements managed to hear this one, everything in gold. It says, "The sun, the leading actor of Spanish everyday life, still has a major part to play even when it's starting to set. The color of old gold floods the beaches, fields, forests, and cities." Of course, this could refer to, the Spanish gold back 4 centuries
had to set, and the only thing we have left is the sun, so we can still imagine that it's kind of like the gold. But actually it's true, because it is this sun which we only have left to unite Spain. And you know, it's not always sunny in Spain, but anyway, it's the thing that's left that you can say unites Spain and manages to bring back the economy. That's it. L'intérêt d'Esquivias pour la coïncidence m'a rappelé, bien sûr, les histoires d'André Breton, en particulier L'amour fou, dont David vient de nous parler. Selon Breton, ce qu'il appelle un délire d'interprétation nous saisit lorsque nous sommes mal préparés, dit-il. Nous sommes mal préparés à accepter et analyser les coïncidences que nous rencontrons lorsque nous prenons véritablement peur dans ce que Breton appelle cette forêt d'indices dans laquelle nous nous promenons. Pour moi, la forêt d'indices dans laquelle nous pouvons nous perdre aujourd'hui, avec Esquivias et les autres artistes dont je vous parlerai, cette forêt d'indices, c'est l'infinie immensité, la profusion illimitée des images et des informations qui circulent dans nos sociétés actuelles, et plus particulièrement celles qui voyagent grâce à Internet. Comment ne pas nous perdre dans cette forêt d'indices où nos recherches sont si rapides, nos désirs si facilement exaucés? Cette forêt où eBay a remplacé le marché aux puces, cher aux surréalistes, où les rencontres amoureuses peuvent se faire en ligne, et l'on peut utiliser Photoshop pour faire dire aux images tout ce que l'on veut. À l'ère du numérique et de l'Internet, les images flottantes dérivent sans les amarres d'une signification fixe. Néanmoins, certains artistes des 10 dernières années semblent tenter d'établir des liens avec ces images et ces informations à la dérive en explorant un nouvel inconscient mondialisé à travers des mouvements perpétuels entre autobiographie et culture de masse, entre mémoire collective et obsession individuelle. C'est moi qui suis mal organisée. Dans son travail, Esquivias me paraît retrouver certaines thématiques et techniques surréalistes. Donc, je vous montre un autre extrait. Ça marche pas. Maintenant, vous voyez pourquoi je vous montre ce passage de L'amour fou qui se déroule le jour d'une éclipse de Vénus par la Lune et où André Breton remarque non seulement une horloge sans cadran, mais observe aussi le collier de la serveuse dans le café où il se rend. Je cite « Une très fine chaîne retenant trois gouttes claires comme de pierre de lune, gouttes rondes sur lesquelles se détachait à la base un croissant de même substance » pareillement serti. » Fin de citation. Breton apprécie infiniment cette coïncidence entre la lune et le collier de la serveuse de café,
car elle est pour lui le cœur même de la beauté convulsive, cette beauté magique circonstancielle. Il s'agit d'un de ces moments de coïncidence où, je cite Breton, « la nécessité naturelle tombe d'accord avec la nécessité humaine d'une manière assez extraordinaire et agitante ». Fin de citation. Dans ces moments, toute causalité traditionnelle est mise en question. Dans Folklore 2, que je vous ai montré tout à l'heure, Esquivias se laisse d'abord distraire par des coïncidences insignifiantes, par exemple les Philippines, avant de trouver un lien qu'elle appelle « plus intéressant » entre Philippe II et Julio Iglesias, qu'elle appelle « cette chose qui est le soleil ». Ici, la coïncidence se mue en système, dont l'artiste rend compte en traçant une histoire de l'Espagne entre le soleil et l'or. Avec ce système absurde, il me semble qu'on aborde l'une des autres réflexions surréalistes sur la coïncidence, la méthode paranoïaque critique de Salvador Dalí. Avec cette méthode, Dalí embrasse la paranoïa, que les psychologues de l'époque avaient qualifiée de délire d'interprétation. Ce délire d'interprétation, justement, vous vous en souvenez, que Breton dit nous guetter quand nous nous perdons dans la forêt d'indices. Trois éléments principaux distinguent le hasard objectif, la coïncidence de chair à Breton, de la méthode paranoïaque critique de Dalí. Premièrement, comme le précise Dalí, la paranoïa est, je cite, « un délire d'association interprétative comportant une structure systématique ». Deuxièmement, la logique de la paranoïa est imparable. Je vous lis encore la citation qui est affichée là. Il suffit que le délire d'interprétation soit arrivé à relier le sens des images des tableaux hétérogènes qui couvrent un mur pour que déjà personne ne puisse nier l'existence réelle de ce lien. Finalement, donc dernière différence, Breton se trouve dans l'attente de la rencontre, de la trouvaille, à la merci du hasard et de son inconscient, alors que Dalí prend une posture plus active, puisque c'est lui qui, à l'image du paranoïaque, façonne librement le monde selon ses propres hantises et désirs. Un peu plus d'un an après ma visite à Madrid, je retrouve avec plaisir le film de Patricia Esquivias dans une exposition à la Tate, à Londres, où je rencontre une deuxième œuvre qui semble répondre à mes désirs de chercheuse. Dans ce film, l'artiste norvégien Lars Laumen présente une théorie qu'il a trouvée sur Internet, selon laquelle Morrissey, le chanteur du groupe anglais The Smiths, aurait prédit en 1986 la mort de la princesse Diana dans un accident de voiture à Paris 11 ans plus tard. Donc je vais vous montrer des extraits. Ah, alors il y a des photocopies du texte en anglais, parce qu'il a le narrateur a un accent de Manchester assez fort, donc oui. Quels sont ? Ah, que ça a été donné pour les traducteurs, d'accord. Ah, d'accord, bon, désolé. Donc, j'espère que vous arrivez à suivre ça, oui. J'ai l'impression que le son n'est pas assez fort, là. In 1986, 11 years before the tragic death of Princess Diana, Morrissey and the Smiths released the album The Queen is Dead. This critically acclaimed record foretells the death of Diana, Princess of Wales. For the cover of the album, whose title announces the death of a royal female, Morrissey chose a photo of a Frenchman named Alain, the actor Alain Delon. The public announcement of Princess Diana's death was made by a Frenchman named Alain, Dr. Alain Pavy, head of the cardiology department at Paris Hospital Salpêtrière.
Morrissey named the album after a chapter in Hubert Selby Jr.'s novel, Last Exit to Brooklyn. Brooklyn's the largest borough of New York City. Dylan's fatal crash occurred in the underpass tunnel headed toward Avenue de New York. Track 1, The Queen is Dead. The song begins with a sample from The L-Shaped Room, a film about a woman played by actress Leslie Caron. The move from France to England. Dylan's body was moved from France to England. Leslie Caron was born on July the 1st. Diana was born on July the 1st. The sample is of a woman leading a sing-along named... Alors... Ça va, can you hear the soundtrack in English? Oui, ça va. Alors... Track 9, There is a Light That Never Goes Out. Take me out tonight, where there's music and there's people that are younger and alive. Driving in your car, I never want to go home because I haven't got one anymore. And if a double-decker bus crashes into us, to die by your side is such a heavenly way to die. And if a 10-ton truck kills the both of us, to die by your side, well, the pleasure, the privilege is mine. Take me out tonight, take me anywhere, I don't care. And if the darkened underpass I thought, oh God, my chance has come at last. But then a strange fear gripped me and I just couldn't ask. Morrissey's lyrics concern two people at night in the city who, while driving fearfully through an underpass, fantasize about dying in a car crash. A decade later, we have Princess Diana and Dodi Fayed. Two people on a date at night in the city, driving in a car, getting killed in a car crash in an underpass. In 1987, There Is A Light That Never Goes Out became the only Smith single in discography of the band to be released exclusively in France. Diana died in France. For the cover of the final Smith... car in the Alma underpass. So how was it possible for Diana's death to be foretold in the work of Morrissey? Was it purely by Morrissey's own ability, or did someone or something else influence his work? Morrissey himself does not claim he has the ability to see the future. Princess Diana was killed in the summer of 1997. The film Contact was released in the summer of 1997. The film is based on the novel of the same name, by astronomer astrophysicist Carl Sagan. The tagline for the film advertised a message from deep space. A code message is sent by extraterrestrials from the Vega star system. The hero of the film is told that the message can only be deciphered if you think like a vegan. In earthly terms, vegan are people who avoid using animals or animal products for food, clothing or other purposes and refuse to take part in animal exploitation of any kind. Contact was released in the summer of Diana's death, and the absence of any earthly explanation for how Diana's death was foretold in the work of Morrissey, let's explore the possibility that extraterrestrials are responsible for the Diana-Morrissey phenomena. The Smiths' first... Donc là, il est en train de parler d'une vidéo, un clip vidéo qu'a fait Morrissey, entre autres. Earlier in the video, there is a scene that shows three different covers. We see the novel Moby Dick, written by Herman Melville. Melville was born on August the 1st. In Contact, the first meeting between humans and vegans is on August the 1st. Melville is also an ancestor of the American musician Moby. Moby is a vegan and animal rights activist. In August 1997, he released the album Animal Rights. We also see Diana Dawes on the front cover of a magazine, and we see the cover of a book called Whale Nation. Diana Dawes, Whale Nation. Put the two words together and you have Diana, Princess of Wales.
Donc je vais passer sur le fait très signifiant pour moi que les Smiths sont un groupe, une référence incontournable à Manchester, où j'ai passé 5 ans de ma vie, dont 2 à travailler pour le HRC, Research Center for Studies of Surrealism and Its Legacies, avec David et Dawn. Et d'ailleurs, cette communication et ma recherche a bénéficié des travaux de doctorat de 2 doctorants du centre, Simone Perks et Marion Hent. Donc je passe sur cette coïncidence très signifiante pour souligner que le film de Laumann, comme le film de Esquivias, me fait penser tout à la fois aux coïncidences de Breton et à la méthode paranoïaque critique de Dali. D'une part, en effet, on pense aux prophéties de Robert Desnos et à la lettre aux voyantes, écrite en 1925 par Breton. On pense aussi à l'analyse détaillée que Breton fait de son poème prophétique « Tournesol » dont a parlé David, un poème qui annonce, selon Breton, les bouleversantes concordances entre ce texte automatique de 1923 et la rencontre avec Jacqueline Lambda en 1934. Et dans L'amour fou, Breton analyse expression par expression les vers de son poème, de la même façon que le film de Laumann cherche, chanson par chanson, les indices de la prophétie de Morrissey dans l'album des Smiths. De plus, les flux d'images mis en place par l'artiste dans sa vidéo introduit de nombreuses pistes supplémentaires. Dans un défilé souvent énigmatique d'images, d'extraits de films, qui accompagne une récitation monotone de faits et de références, plongeant ainsi le spectateur dans une espèce de demi-sommeil hypnotique. Laumann a non seulement retrouvé les films utilisés en couverture des albums des Smiths, et ceux auxquels Morrissey fait référence dans les chansons elles-mêmes. Il a aussi glissé des extraits de films qui auraient influencé le chanteur Morrissey, par exemple, qui aime dire qu'il a été influencé par A Taste of Honey. Mais il introduit aussi, Laumann, des extraits de films qui viennent brouiller encore davantage les pistes, puisque ces films semblent relever des interprétations de l'artiste lui-même. Le film passe sans transition ni explication d'une image à l'autre. Les récits sont tronqués, sans son, ils se succèdent, accompagnés de paroles, de chansons, sans musique. Donc, dans ce glissement d'une théorie du complot à l'autre, hein, on ne peut pas avoir de théorie de complot sans avoir même des extraterrestres, Laumann me semble poursuivre Dali dans son désir de, je cite Dali, « reconnaître la vitesse et l'inconcevable subtilité fréquente chez le paranoïaque, lequel, se prévalant de motifs et de faits d'une finesse telle qu'ils échappent aux gens normaux, atteint des conclusions souvent impossibles à contredire ou à rejeter. » Dans le film de Laumann, tout se prête à l'interprétation. Les coïncidences de noms, de lieux et de dates, les messages cachés dans les paroles et dans les images, les références aux films, aux livres et aux journaux, comme si la machine, une fois amorcée, ne s'arrêtait plus. Magnifique démonstration de la méthode de Dali, les interprétations délirantes de l'Angélus de Millet prennent elles aussi des formes différentes et possiblement infinies dans le travail de Dali. Du détail parlant dans la mémoire de la femme enfant, donc l'Angélus de Millet est là, sans oublier les transformations dans les réminences archéologiques ou architectoniques, les transformations répétées qui ponctuent le récit de Lautréamont dans les champs de Maldoror. Je vous renvoie ici à l'excellente analyse qu'en a faite David Lomas, qui voit d'ailleurs dans ces images les préfigurations du tableau cannibale de Dali à propos de la guerre
civile espagnole, elle-même pressentie, encore une prémonition, par l'artiste dans sa construction molle aux haricots bouillis. Les liens qu'incarne le film de Laumann entre la paranoïa et la logique des conspirations, les théories du complot, qui fleurissent et se multiplient plus que jamais aujourd'hui sur Internet, ces liens apparaissent chez les surréalistes à propos de la Première Guerre mondiale. Je pense en particulier au texte de Breton, paru en 1918 sous le titre « Sujet », dans lequel il évoque un combattant de la guerre traumatisé qui souffrait de la délusion paranoïaque que la guerre n'était en fait qu'une vaste mise en scène. Si la guerre peut être un simulacre, il est aisément imaginable que la mort de Lady Diana était un assassinat déguisé en accident de la route, ou que l'alunissage des astronautes Neil Armstrong et Buzz Aldrin le 20 juillet 1969 ait été entièrement falsifié dans un studio américain. La dernière coïncidence dans mon histoire date du mois dernier. À Toronto, pendant 2 jours, pour rendre visite à mon oncle et à ma tante, je fais un tour par hasard au Museum of Contemporary Canadian Art, qui, pendant dix jours seulement, montre un film de l'artiste française Camille Henrot, Grosse Fatigue, qui a récemment remporté le Lion d'argent à la Biennale de Venise. Donc, c'est les derniers extraits que je vous montre. In the beginning, there was no earth, no water, nothing. There was a single hill called Ninachaha. In the beginning, everything was dead. In the beginning, there was nothing, nothing at all. No light, no life, no movement, no breath. In the beginning, there was an immense unit of energy. In the beginning, there was nothing but shadow and only darkness and water and the great god Bumba. In the beginning were quantum fluctuations. In the beginning, the universe was a black egg where heaven and earth were mixed together. In the beginning, there was an explosion. In the beginning, a dark ocean washed on the shores of nothingness and licked the edges of night. In the beginning was the eternal night Han. In the beginning, before all things, there was Amma, and he rested upon nothing. In the beginning, Ta, the demiurge, born from the essential ocean. In the beginning, the fabric of space-time unfurled, it inflated. In the beginning, the atoms were formed. In the beginning, a giant cobra floated on the waters. In the beginning, everything was still. There was no beginning. In the beginning, and in the void, the oldest of old gods was formed. The world had no time, no shape, and no life, except in the mind of the Creator. In the beginning, the Word already was. There was no world then, only the white, yellow, blue, black, silver, and red mists floating in the air. In the beginning was only the sky above, and water, and marshland below. In the beginning was nucleosynthesis. And when the universe became transparent to light, then the Milky Way took form. Then there was no need for light on Zambuling, for the gods emitted a pure light from their own bodies. Then the Creator was in the form of a man without bones. Then the gravity of galaxies slowed the expansion of the universe. Then were units of matter. Then Pangu died and parts of his body became parts of the universe. Then there was recombination, local contraction. Then the supreme god of Ometeotl
being both masculine and feminine, spawned four children. Then Ra created his wife Hathor, with whom he had a son, Horus, who married Isis. Then Atum took his penis in hand to obtain the pleasure of orgasm thereby. Then Iuasas was lady of the vulva and hand of God. Then Ogo introduced disorder into the world by committing incest with his mother Earth. Then the first menstrual blood came from this union, as well as Yeban and Andumbulu, the spirits of the underworld. And there was violent relaxation. And God. Said, let there be light. And there was light. And God saw the light, that it was good. Heart of sky only says the word earth. And the earth rises. Je suis obligée de faire fast word, hein, je suis désolée. Indifferently. And Amtada settled down with the cat for company and grew bored with his routine. And humans evolved from the same clade as lemurs, rabbits, and rodents. He decided to create beings like himself to keep him company. In the beginning, there was no one to praise God's glory. The sun bearer hauled the sun across the sky on his back. Woman who fell from the sky rested on turtle's back. God blessed the seventh day and sanctified it, because that in it he had rested from all his work. The arrow of time points to the heat death of the universe. The whole earth was heavy, and then Yahweh rested. Relaxation is the settling of a system into equilibrium. Resting. Pangu lay down, and resting, he died. The arrow of time, heat death of the universe, Pangu lay down, and resting he died. Come on, wake it out, go get it up. Yep. Cette fois-ci, ce n'est pas aux écrits de Breton auxquels j'ai pensé quand j'ai regardé ce film de Camille Henrot, mais à sa collection. La collection de Breton qui semble admirablement explorer, comme le film d'Henrot, les coïncidences entre science, mythe et inconscient. Plus encore que la collection elle-même, d'ailleurs, c'est inévitablement au site internet andrebreton.com auquel je pense en regardant le film de Camille Henrot. Mise en place lors de la vente aux enchères de la collection de Breton en 2003, ce site nous permet de voyager parmi les objets de Breton, aussi bien que dans l'esprit du poète lui-même. On peut parcourir le mur où il exposait ses acquisitions. On peut découvrir ses trouvailles, que ce soit des coquillages, un oiseau empaillé ou une stalactite. On peut observer une racine de mandragore ou des insectes empaillés. Ici, le délire d'interprétation dont j'ai parlé tout à l'heure coïncide avec ce que Walter Benjamin appelle dans un texte de 1928 le délire de groupement. Benjamin parle d'un livre de 1842 du docteur Carl Friedrich Anton Schmidt intitulé « Leben und Wissenschaft in ihren Elementen und Gesetzen »,« Les éléments et lois de la vie et de la science »,
qui propose une nouvelle classification fantasque du monde. Tout comme Benjamin aimait à se plonger dans le monde délirant de Schmitt, je peux m'égarer sur le site andrebreton.com de la même manière que nous nous perdons tous, parfois des heures entières, à traîner sur Internet. Dans son film, Enro met l'accent sur la grosse fatigue entraînée par les délires d'interprétation et de groupement. C'est cette fatigue entraînée par les compulsions de la recherche, compulsions menacées par la folie qui nous guette lorsque l'on essaie de mettre en place une pensée systématique. La tentative d'ordre se noie dans le désordre, les théories s'épuisent et se transforment sans cesse. Everything is connected. Comme pour Breton, la compréhension du monde passe pour Enro par l'appréhension manuelle. La main touche l'objet et tourne les pages. La main tape sur Google et clique sur la souris de l'ordinateur. C'est aussi, vous en souviendrez, le cas de la conférence de Patricia Esquivias, dont les jeux de main sont incessants. Dans un article paru dans Art in America, Enro évoque le terme allemand Handbarmachung, utilisé par l'historien de l'art allemand Abi Warburg, pour décrire la capacité des images à être à portée de main. C'est le terme utilisé par Warburg. Être à portée de main, c'est-à-dire être manipulable et redisposable comme des cartes à jouer. Et c'est la méthode que Warburg adopte quand il construit son atlas mnemosyné en disposant des images sur un fond noir pour développer son histoire de l'art. Alors que Warburg s'intéresse dans cette planche, par exemple, à la mobilité et aux survivances des iconographies de la Renaissance italienne dans le tarot de Marseille, les surréalistes, de Dali et Breton à André Masson, Victor Brauner et Roberto Amata, sont attirés par le symbolisme du tarot, qui se prête aussi à la divination et au réveil d'images inconscientes. Warburg participe, comme Freud, Breton et Walter Benjamin, à une remise en question radicale de toutes les certitudes positivistes de leur époque. Pour Warburg, l'histoire de l'art doit proposer des récits prêts à être construits et déconstruits selon les modes d'interprétation, toujours en mouvement. Selon Georges Didier Huberman, l'atlas mnemosyné de Warburg est un objet d'avant-garde comparable au montage d'images dans les romans de Breton ou les revues surréalistes. L'atlas propose, selon Didier Huberman, et je cite Didier Huberman, un atlas de la mémoire erratique réglé sur l'inconscient, saturé d'images hétérogènes, envahi d'éléments anachroniques ou immémoriaux. Fin de citation. Selon Camille Enro, la Handbarmachung des images, leur manipulabilité, permet de ramener à l'échelle humaine la totalité écrasante des systèmes universels, de les ramener à portée de main, comme disent Warburg et Esquivias. Hein, le film que je vous ai montré où elle jette le ballon, ça s'appelle Nature's at Hand, donc à portée de main. C'est la main qui peut faire coïncider, pour reprendre les termes de Breton, la nécessité naturelle et la nécessité humaine. Si la main n'apparaît pas dans le récit de Lars Laumann, son film est néanmoins traversé par un autre fil conducteur qui le relie au film d'Esquivias et Enro. Il s'agit de la voix qui raconte une histoire. Comme la main, la voix parlée, plus encore que la narration écrite, établit une relation d'intimité avec le spectateur. Elle nous chuchote à l'oreille. Et donc, en tant que spectateur, nous sommes prêts à suivre la logique d'un raisonnement, à se laisser imprégner par les significations conscientes et inconscientes des images, et à prendre au sérieux les délires d'interprétation et le groupement et de groupement mis en scène par les artistes.
Les éléments anachroniques et immémoriaux, comme les appelle Didi Huberman, qui sont présents dans l'Atlas de Warburg, provoquent un montage de temporalité hétérogène, comme les télescopages entre présent, passé et futur, qui relient le projet surréaliste et le projet des arcades de Walter Benjamin. L'Atlas de Warburg intègre aussi quelques images contemporaines. Par contre, elles sont tirées de la culture de masse plutôt que de l'art d'avant-garde de son époque. Donc vous pouvez voir dans cette planche, par exemple, une photo de championne de golf, là, et des publicités. Là, c'est une publicité pour des croisières. Là, c'est pour une crème, à côté de pièces de monnaie et de timbres aussi. De la même façon, les œuvres d'Esquivias, Laumen et Enro mêlent l'art et la culture de masse, des images de temporalité hétérogène et des supports et des objets très divers. La trouvaille, dont a parlé David et Emmanuel Guigon ce matin, joue un rôle important pour les trois artistes. Pour Enro, la trouvaille est le fruit de recherches dans différents musées du Smithsonian à Washington, où elle était boursière, aussi bien que de l'épluchement du catalogue en ligne du Smithsonian et, bien sûr, les excursions sur Google. Dans un autre film de la série Folklore, Esquivias attache une importance particulière à un objet trouvé dans un marché pour touristes en Espagne, dans un moment qui rappelle les trouvailles de Breton et Giacometti au marché aux puces. L'une des articulations dans l'argumentation du film, vous vous en souviendrez, surgit au détour d'un club vidéo où l'un des personnages renverse un sac rempli de livres, dont le Moby Dick de Melville. Au lieu de la main et de la voix, c'est sur le mode de l'archive que l'artiste britannique Tacit Adin élabore ses récits de trouvailles et de coïncidences à partir des années 1990. Dans Girls Stowaway, par exemple, Dean raconte comment elle part sur les traces de Jean Genie, une jeune fille des années 1920 qui s'était embarquée clandestinement dans un navire qui a fait naufrage. Dans ses recherches, Dean se retrouve imbriqué dans un tissu de coïncidences, comme par exemple la mort d'une jeune femme lors de la visite de l'artiste sur le lieu du naufrage du navire, ou la rencontre fortuite de Dean avec des noms proches de celui de son héroïne. Donc l'héroïne s'appelle Jean Genie, et au hasard, Dean entend parler quelqu'un de Jean Genet, et elle entend aussi une chanson pop qui s'appelle Jean Genie. Selon Hal Foster, un élan archival, ce qu'il appelle en anglais un archival impulse, caractérise un nombre de pratiques artistiques actuelles, dont celle de Tacit Adin, qui cherchent à animer l'archive et à établir une rencontre entre passé, présent et futur, entre histoire et biographie. Si Esquivias, Laumen et Enro semblent moins concernés que Dean par les images d'archives, et il me semble évite ainsi la mélancolie qui accompagne le travail de sauvetage de la mémoire, ces trois artistes participent néanmoins à la tendance paranoïaque que Foster perçoit dans cet élan archival. Foster parle en effet d'une volonté désespérée de connecter les choses entre elles. Et cette volonté, selon lui, répondrait à une société actuelle où la mémoire culturelle semble avoir disparu, où l'ordre symbolique n'offre plus aucune totalité, et où le monde en réseau est à la fois incohérent et systématisé, dans la mesure où la fragmentation des informations sur Internet s'accompagne d'un archivage systématique de toutes nos activités sur Internet. Dès les années 90, avant même les révélations d'Edward Snowden, qui ont mis fin à toute illusion de vie privée sur Internet, une conscience des réseaux invisibles qui nous entourent et nous traversent apparaît, par exemple dans les films dits polyphoniques tels que Amores Perros ou Babel d'Alejandro Iñárritu,
ou les grandes fresques hollywoodiennes comme Magnolia ou Crash. Dans les romans de Thomas Pynchon ou Don DeLillo, les personnages aiment souvent dire que tout est connecté. Everything is connected. De nombreux critiques ont d'ailleurs décrit Underworld de Don DeLillo comme un roman paranoïaque par excellence, à l'image des théories du complot qui connaissent une explosion à partir des années 90. Pour Frederick Jameson, comme pour Hal Foster, la paranoïa est une tentative désespérée de comprendre et de représenter le monde actuel. Selon Jameson, les théories du complot ne proposeraient rien d'autre qu'une, je cite Jameson ici, une figure dégradée de la logique totale du capitalisme tardif. Fin de citation. Mais où commence la théorie du complot et où finit l'analyse des liens invisibles? Ah, d'accord. D'accord, je vais sauter alors des passages, excusez-moi. Donc, où commence la théorie du complot et où finit l'analyse des liens invisibles que tisse la logique totale de ce capitalisme aujourd'hui? Les analyses récentes des théories de complot de Jeff Kinkle ou Peter Knight démontrent qu'elles viennent s'inscrire sans problème dans la culture de masse des 15 dernières années, avec la série télévisée des X-Files, par exemple, ou le film Conspiracy Theory, où le complot lui-même sert à peine de prétexte pour une intrigue amoureuse. Comme l'explique Peter Knight, nous sommes passés des conspirations traditionnelles, qui étaient dogmatiques, extrêmes et souvent très dangereuses, hein, telles que les traditions de complot antisémites, auxquelles Warburg fut d'ailleurs attentif. Donc nous sommes passés à ces conspirations traditionnelles à des théories de complot que même les théoriciens de ces théories ne prennent pas au sérieux et qu'ils expriment avec cynisme ou ironie. Au lieu d'offrir des certitudes rassurantes, les théories du complot depuis la guerre froide, depuis l'assassinat de Kennedy ou de Watergate, viennent en fait nourrir le doute. Comme l'explique Knight, il s'agit d'une, je cite, « rhétorique de la paranoïa plus fluide et contradictoire ». Fin de citation. Car comment ne pas être paranoïaque face aux flux invisibles de capitaux, les services secrets, les virus transmissibles tels que le sida, les virus informatiques destructeurs? La paranoïa peut en fait sembler tout à fait raisonnable lorsque c'est le prêtre des nouvelles technologies ou un défenseur de l'écologie qui proclame que tout est connecté. Car dans la forêt d'indices qu'est la prolifération exponentielle d'informations et d'images, ce sont les chercheurs, journalistes et détectives, aussi bien que les poètes, les voyantes et les patients paranoïaques, qui tente de discerner les liens invisibles entre une multitude de faits hétérogènes disséminés. L'atlas de Warburg, avec ses images épinglées contre un fond noir, tout comme le musée imaginaire d'André Malraux, ressemble en fait aux images qui peuplent les thrillers dans lesquels un héros essaie de dévoiler la vérité sur l'assassinat de JFK ou les réseaux parapolitiques d'une banque internationale. Au moment de la découverte, de la révélation d'un ordre dans ce désordre d'images et de données, le hasard objectif de Breton rencontre la méthode paranoïaque critique de Dali. Dans ce moment où la nécessité naturelle rejoint la nécessité logique, toutes les choses, comme l'explique Breton, sont livrées à la transparence totale, reliées par une chaîne de verre dont il ne manque pas un maillon. Dans ce moment, un éclair de compréhension illumine soudain l'obscure confusion du monde et un nouveau système temporaire, incertain peut-être, mais tout à fait logique et convaincant, et ce système peut se mettre en route. Esquivias, Laumann et Enroe font partie de ces artistes enquêteurs d'aujourd'hui, curieux mais rêveurs, naïfs mais indécis, comme la voix fluette d'Esquivias qui trébuche dans son anglais d'étrangère, comme le théoricien du complot de Laumann qui ne sait pas s'il croit vraiment aux hypothèses délirantes qu'il explique, comme la chercheuse qui se demande dans le film de Enroe si toute théorie n'est pas une fable parmi d'autres.
ni mélancoliques ni révolutionnaires, ces artistes ne cherchent pas une rédemption ni une transformation de la société. Mais dans le bref intervalle entre fait et fiction, entre observation objective et pulsion inconsciente, ils peuvent peut-être nous procurer, pour citer Breton, un sentiment de félicité et d'inquiétude extraordinaire, un mélange de terreur et de joie panique. Merci.